Qu'est-ce que je me tape dans mon cœur. C'est bizarre de revoir une photo et de me dire qu'à cette époque, eh ben, j'avais un an et que voilà, la photo a été prise. J'y vivais en fait. Notre belle maison de quartier. Voilà. On disait qu'il n'y a pas changé, mis à part la porte. C'est fou, hein. Oh, rue Édouard-Vaillant. Bah voilà, mes parents, ils habitent rue Édouard-Vaillant. C'est génial de voir ça. Et alors, je sais qu'on a appelé la cour des miracles où il y a la rue Otino. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mes parents se sont rencontrés à la cour des miracles. Donc voilà, depuis que je suis gamine, j'entends parler de la cour des miracles. Et d'ailleurs, quand on voit la photo là, de la, celle-ci là, de la rue Pasteur, c'est génial parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui n'a pas bougé, c'est donc la maison de quartier, puisqu'on voit une belle photo là qui est là. Et on voit super bien la maison de Daniel là, c'est génial. Puis alors, tout à l'heure, on ça faisait sourire parce qu'en fait, ici là, maintenant, c'est le réparateur de télé. Enfin, on retranspose en fait ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis même celle-là, parce que quand on regarde les fenêtres, on se rend compte que c'est les mêmes. Non, c'est bien. Moi, j'adore, ça me transporte. J'ai l'impression en fait de voir la vie de mes ancêtres en fait. Comme en plus, voilà, moi je suis audonienne et depuis plusieurs générations, donc je me dis, voilà, mes grands-parents, voilà, forcément ma grand-mère a déjà été au centre médical tel qu'il est sur la photo là.